Chaque matin dans la salle, nous avons rendez-vous sous télévision nationale d'Haïti pour nous faire échange avec diverses personnalités qui ont évolué, que ce soit dans le monde politique ou dans la société civile. Là. Matin, nous allons parler politique avec un ancien président du Sénat République. Tortellus Family. Louis Richer, c'est lui qui peut aller de nous, comprendre quelques choses qui ont passé dans l'actualité. Jean Truffel d'ailleurs, avec invité nous. Sénateur Richer, son plaisir pour nous recevoir matin sous TNH. Moi-même, tout son plaisir de ce que vous invitez moi, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas passé bon ici là. Et m'a profité tout pour me saluer, tout l'autre collaborateur qui a voyé, et puis tout le monde qui a regardé la télévision, hein, et qui a essayé de comprendre ce qui a passé dans le pays, matin, je me salue. Et puis, je suis bien content pour m'assembler avec vous. Parfait. Alors, là, je me dis, Pasteur Richer, que mon cadre, je puisse évoluer avec chapeau sénateur. Bon, c'est-à-dire que depuis que je suis toujours porté chapeau et que, bien sûr, il était venu renforcer pendant des sénateurs. Mais, pasteur, c'est une formation que je me prends et que j'ai toujours été pasteur. C'est-à-dire que, voilà que maintenant je ne suis plus sénateur, mais il m'arrive de temps en temps de continuer à professer mon job en tant que pasteur. Je vais à l'église, je prêche dans certaines églises, et m'assister de toi, jeune pasteur qui a essayé comprendre ma réunion. Donc, je continue le boulot. Vous toujours prêchez aujourd'hui? Oui, je prêche, de temps en temps. Mais on va pas diriger l'église encore? Non, c'est que je pas dans l'église comme en tant que dirigeant, mais je suis, si vous voulez, une sorte de prédicateur. Et itinérant, on voit de temps en temps, quand on m'invite dans une église, ben j'y vais. Parfois, quand on dit politicien, un pasteur va faire bon ménage. Moi, je trouve que c'est faux et puis c'est une très mauvaise interprétation parce que les deux sont des éléments d'un même ensemble. Hein. Ça veut dire que vous soyez pasteur ou politicien, vous êtes quand même un citoyen d'un pays. Donc, vous supposez assumer responsabilité en tant que tel. Et que un pasteur pas capable d'un trait à la nation, tout comme un politicien pas capable d'un trait à la nation. Ça veut dire être un individu et avoir une profession, lui pas retirer le droit de participer à la vie politique du pays. Parce que c'est très important quand des gens éclairés, des gens avec une certaine vision des choses, teintés d'un certain amour pour le prochain. Accède à la vie politique d'une manière active, parce que c'est très important. Donc, Jean politique a fait en Haïti, par exemple, vous avez un ancien responsable communication, non, go, bo, l'État te dit, debout dit politique, ou dit mort, red, grain crasé, pour ne faire pas. Est-ce qu'on passe tête à rentrer dans le bail comme ça? Bon, c'est parce que tout simplement que les gens, en pile, monde, par exemple, si mon nom est vicieux, tout. S'il volait, ben c'est tout le monde volait. Et c'est ça le système qu'il y a actuellement en Haïti, c'est que tout le monde essaie de coller une étiquette sur n'importe qui. Ça veut dire que, parce que les gens connaissent que ils ont telle mauvaise affaire, parce que tout le monde a même pas là tout. Moi, j'ai fait de la politique parce que tout simplement, la population côté d'habiter hein, dans le département de la Grenance voulait que je devienne sénateur. Et j'ai été au Sénat, bon, parce qu'en tant que journaliste, tu connais le passé de ce sénateur, c'est-à-dire que j'ai été aux élections en 1997, j'ai gagné ces élections, il y a eu des fraudes du côté de Famille Lavalas à l'époque, et puis après ça m'a allé encore dans l'élection toujours, il y a eu des fraudes, mais finalement j'ai été élu sénateur, en 2006, et puis reconduit encore en 2011. Bon, bref. Mais, affaire de Green Grazi, je ne sais pas, parce que je crois que quand on accède à un poste élevé dans un pays, l'objectif, c'est d'aider la population, c'est de l'accompagner tant mieux que possible. Et que, bah ouais, pour qu'il soit bien obligé de penser à un affaire de Green Grazi. Mais lorsqu'il était chapeau sénateur, est-ce que vous sentiez... Pasteur Richer, j'ai une communauté à Téouéla, pas aucun changement, avec tout ça, au pasteur représenté dans la communauté? Bon, c'est-à-dire que moi-même, je suis un monde qui t'a vivé en symbiose dans la communauté. Ça veut dire que ce que je représentais pour les gens, ben, c'est toujours même pas la me représenter pour eux. Par exemple, je vais vous dire une chose, c'est-à-dire les gens
N'arrête pas de passer chez moi tous les matins, ou bien venir me voir pour tout ce qu'ils ont comme problème, etc. Bien sûr, je n'ai plus les mêmes moyens, mais avec le peu que nous gagnons, nous essayons de faire ça incapable. Mais je crois que c'est toujours le même respect. Et puis, bien sûr, l'organe, par exemple, évolution, petit jeune aujourd'hui, qui presque pas de respect pour personne, et puis qui a dit n'importe quoi, bien sûr, suivi par, parce que les politiciens sont tellement arrogants, tellement vin bagne contenu dans ça y a dit tellement pas gain sujet donc c'est sujet de respecter à qui plus facile pour yo donc qui fait jeune yo presque a suivi yo même parce que autrement ça mais dans la communauté c'est quand même un minimum de respect qui continue à prévaloir même si communauté a pas de voter dans les élections parce que tu es candidat. Bon, ma monsieur, comment bagaille, j'étais candidat, mais ce qui s'est passé, je ne peux pas dire que les gens ne m'ont pas voté. Puisqu'en fait, celui qui est arrivé en tête, il est arrivé avec 41 000 voix. Et moi, je suis arrivé avec 39 000 voix. Donc, ça veut dire que pendant le premier tour, c'était 14 candidats et moi qui étais devant. C'est quand on a arrêté Guy Philippe, qu'on y a là, ce candidat en question, méchant comme il est, nul comme il est. Ah bon? Il a dit aux populations, il a été à Pestel, il a été à Corail, il dit mounio que, il y a une preuve dans même que c'est moi qui fais arrêter Guy Philippe. Donc à ce moment-là, je ne pouvais pas aller à Pestel, je ne pouvais pas aller à Corail, elle fait campagne. Mais c'est pas de vous, non? Pardon? Pas de vous, non, ça. Et journaliste, oui, c'est pas moi pour poser une question. Non, mais si c'est un sénateur qui dit. Non, c'est pas un sénateur, je te dis, c'est un voyou, c'est le discours d'un voyou. Puisque un sénateur pas capable de dire un bagage que n'a pas gagné aucune preuve sous lui. Et puis, il est fini tout, c'est la nature de l'individu. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ces gens de ragots? C'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où vous changez de statut, à partir du moment où vous commencez à mentir. Parce que l'homme qui ment comme il respire, son véné mortel. Bon, bien sûr, j'ai pas pu aller à Pestel, j'ai pas pu aller à Corail, donc je ne vais pas faire élection dans la zone. De quoi défendre tout, de quoi parler à la population? Pas besoin d'aller, parce que ma perçu comme bagaille. Vous avez vu tout ce qui s'est passé après cette arrestation, c'est que les gens étaient en colère. Pour qu'ils aient voulu affronter le monde pour que Messi. Parce que, en fait, pour moi, être sénateur, c'est être un serviteur. Donc, pas bah, besoin pour rendre service, aller exciter les gens. Vous voyez que, même quand j'ai eu des preuves qu'il y a eu des fraudes massives, c'est-à-dire que remplissage d'une, etc. Mais, et on m'a demandé de pour m'aller, et, comme sénateur, à faire contestation, même dire quoi ça? Pour qui ça vous a fait contestation. Parce que m'estimer que à un certain moment donné, j'ai été sénateur pendant à deux reprises, ben pour moi c'est suffisant, c'est-à-dire si je suis pas capable de porter suffisamment de choses pour la population, ben décider le fond l'autre choix, ben tant mieux. On va bien vous tourner encore. Bon, je ne me pose pas encore cette question parce que je me suis dit que est-ce que le pays, en fait, tout ce que j'ai fait dans ma vie, en fait, vous savez que j'ai été, généralement les gens me prennent pour un pasteur, mais ma formation initiale, c'est que je suis professeur, directeur d'école, fondateur d'école également, donc ça veut dire que je suis quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Donc, et actuellement, je dois vous dire que je viens de mettre sur pied un centre professionnel à Dame Marie, donc pour la formation des jeunes, etc. Ça veut dire, j'ai beaucoup de boulot. Donc ça veut dire, je ne sais pas encore si je vais m'orienter. Ça va dépendre de l'évolution politique. Mais avec ce que je vois, c'est-à-dire que la situation dans laquelle le pays est en train d'évoluer, franchement, je me dis... Et à quoi ça sert vraiment d'aller se mêler? Parce que quand vous avez été élu pour un poste, vous avez eu la confiance de la population,
vous devez quand même pouvoir accomplir cette tâche avec loyauté, compétence et honnêteté. Vous ne m'avez pas ça qu'a fait de la média? Bon, pas dit que pas gagner loyauté, mais ça m'a dit un problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens, au lieu de se comporter en homme d'État, ils comportent plutôt en politicien, en homme politique. Or, lorsqu'on est homme politique et qui s'allie, c'est que vous êtes toujours intéressé à la réélection, vous comprenez? Et à ce moment-là, ou pas vraiment assumer responsabilité comme il convient. Ou toujours peur pour que on ne vous critique pas, etc. Or, je crois que quand on est un homme d'État, l'homme d'État, eh ben, c'est l'avenir du pays qu'il regarde. C'est-à-dire, il faut mettre des pions pour que nous arrivions côté nous pralier. Et moi, c'est là le problème d'en poser aujourd'hui, hein. Moi, je crois que, il y a un pile d'un gap fait heureux. Que ce soit au niveau de la députation, que ce soit au niveau du Sénat. Parce que tout simplement, manteau pour y'a poté, c'est-à-dire, manteau homme d'État, y'a un pile là-dedans qui n'est pas à poté. Pasteur Richard, toujours dans OPL? Même OPL jusqu'à ce que la mort s'en suive. Vous avez participé dans le dernier congrès? Oui, j'ai participé dans le dernier congrès. Bon, je ne vais pas vous poté un candidat parce que j'estime que j'ai été quand même coordonnateur adjoint du parti et à plusieurs reprises. Et j'ai pensé qu'il fallait faire de la place à d'autres jeunes cadres du parti. Et puis, et me trouvais que c'était bien. Mais mon Dieu, parce qu'une coordonnateur, c'est quand même... On m'a dit là déjà. Oui, c'est-à-dire que c'est pas une question de querelle des anciens et des modernes. C'est-à-dire que... Il faut, à un certain moment donné, effectivement, permettre à d'autres d'accéder, mais en même temps aussi, il faut tenir compte de la réalité. C'est-à-dire que je crois qu'un homme comme Edgar Leblanc-Fils, c'est quelqu'un qui connaît le passé du parti, et son rôle, c'est de créer l'espace pour que d'autres jeunes aient plus de compétences, plus de formation idéologique pour mener Bac Patia. Or, je dis à l'heure, c'est ça que fait, dans pile jeune, quand vous prenez par exemple le député qui est tel, il y a d'autres jeunes encore qui sont là, c'est normal à ce qu'il y ait un ancien, ou même un bac là, en attendant que la passation soit total capital. Comment c'est, sénateur? Comment tu peux suivre? Excusez-moi. Comment tu peux suivre une séance avec le membre conseil sur la police nationale là? Oui, mais Et lorsqu'on a un état ou appelé à un système de construction de notre pays, à ce moment-là, on ne pas supposé comme c'est une ado esquiver les situations. Pour le temps de passer un sens de cette langue, de trouver nos petits gens très maladroits. Sans que ce soit au niveau des questions, au niveau de la représentation physique. Imaginons, c'est la première fois que nous avons. Humiliant parce que les invités c'est j'ai vu le chef de la police en tenue de guerre. On était en uniforme BLTS. En tenue de guerre. Et puis armé de chiens, de coutela. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il salte Alphamba, mais. Étant donné que je ne suis plus sénateur. Le cas de comme c'est déjà, il doit mettre tout uniforme, niveau. Non, il va rien doit ça. Ah bon? Non. Le pouvoir est civil. Le pouvoir est civil. Tu es comme sénateur, alors qu'on a reçu à DGO, pas convenu avec l'uniforme de la police? En uniforme
normale, de gala, de tenue normale. Pas de crème, crème mais par exemple, type de, ouais, par exemple, crème non, pantalon noir, et avec bretelle là, oui, ça, c'est normal. Mais, là, on prend par exemple, une tenue, tant qu'une tenue, boys, yo, ça va rentrer en dedans et pas qu'à rentrer avec en dedans et au Parlement. Moi, c'est un message déjà de nouveau. Ça veut dire qu'on dit ce message parce que c'est pas quelqu'un avec qui j'ai de très bonnes relations. Par contre, dit son message, mais je trouve que cela a été très mal placé. Et bon, bien sûr, c'est pas monsieur, c'est mon Dieu, je vois là tout. Ça veut dire que si, par exemple, en tant que président du Sénat, ou bien le président de la commission, c'est supposé dire, monsieur, que écoutez, nous ne pouvons pas vous recevoir de cette manière. Dès le président du Sénat, Joseph Lambert, qui était avec un journaliste, enfin, son radio sœur, et maintenant, qui soulignait que c'était pas la déviation, qui devait faire toute une opération, et le temps pour le changer, le réaliser, de lui donner une réponse. Pas de problème, c'est ça, que vous allez. Ça veut dire que c'est pas une question de dire que le Parlement haïtien ne peut pas recevoir des chiens. Wow. C'est des chiens policiers. Non, mais il n'est pas capable d'un Parlement avec. Les chiens, ça a eu ces chiens pour acheter ses drogues. Ces chiens qui mettent dans l'aéroport, dans les frontières. Maintenant, si les sailles, bon, ça y est, même qu'on a fait eux. Mais c'est pas ça, c'est le. C'est pas ça, le leçon, ça fait pas. Pas qu'on aime, pas qu'à bien. Mais sous ça, attire attention. Mais d'où l'attire attention, parce que quand j'ai vu ces chiens-là, je me demandais qu'est-ce qu'il y avait. Au contraire, je pensais, si on n'a pas dit ça avant, on a pensé son opération. Mais il y a eu un opéré qui, comme. Je trouvais que quand même, ça a été un petit peu. Mais maintenant, il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi les questions qui ont été posées. Parce que là, on a un type de baguette. Regardez qui est-ce qui était en bas après. C'est les sénateurs, le premier ministre, le directeur de la police, quelques ministres, etc. C'est-à-dire, c'était un très haut niveau de responsable. Là. Donc, ça veut dire que quand vous êtes là, c'est les affaires d'État qui doivent être discutées. Et les affaires d'État à discuter pour le moins. Poser des questions à gauche, ça vient de vous dire dans vous faire ouais, qui explique et si vous ne parlez pas. Mais c'est que ça en fait, c'est de poser des questions sur. Non, mais on pose des questions sur la sécurité de la nation. C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pas obligé. Et logiquement, ça pêche le bête de nous poser des questions. Imaginons, admettons que c'est vrai. Que vous avez gagné nos députés, nos parlementaires, ça, et ma t'as impliqué la protéger, mon petit. Oui. Mais, question ça. Pour l'avenir de la nation. C'est pas qu'on peut vous dire. Donnez-moi le nom. À qui l'est. Qui est-elle. La population a besoin d'informations. Non, la population. Elle doit besoin d'informations. Mais l'État a pour respecter l'État. L'État a les conseils d'institution. L'État a une façon de fonctionner pour apprendre à respecter ça. Parce que, imaginez-vous, moi j'ai dit une chose que j'estime extrêmement difficile. Et ceci depuis 1990. C'est la décadence de l'État. Les gens aujourd'hui ne respectent plus les institutions. Quand on parle du Parlement, la grande majorité des gens dans l'arrière-droite, ils vont voler en bas. Pour qui ça nous vise là? Je ne parle pas
Je ne pas dit ça. Je pas dit c'est eux même qui prêtaient les flancs parce qu'en fait, pas quoi qu'ils sont des voleurs. Pas quoi qu'ils sont des délinquants. Plus quoi que société arrivée dans l'état de pouvoir tel que moun tellement pas gain respect pour moun. Par exemple, je dis à là, quel que soit, bah, imaginez par exemple, je vous donne un exemple. Un homme qui est élu sénateur de la République. Mais quand même, c'est une fonction extrêmement élevée. Il a tout un département. Il doit passer voir les gens dans les communes, etc. Ce sénateur-là a droit à ce que j'appelle à des frais de représentation. C'est-à-dire que, ou sénateur, eh ben, la fin de l'année arrive, ou bien l'ouverture des classes privées, eh ben, c'est normal à ce que, puisque vous représentez l'État à tout, que vous gagnez des possibilités pour accompagner certaines personnes en difficulté dans vos départements. Bon. Yo bay sénateur, yon subvention qui peut être chiffrée à 1 million de goudes pour aider les enfants défavorisés. Ça se fait dans tous les pays du monde. Et puis, ça devient un scandale. Néglade aussi l'agent poisson, néglade l'agent ceci, néglade... C'est-à-dire que les gens sont tellement coincés et bornés, et parce que ils pensent tout que fonctionnement pas yo a tapé un fonctionnement ticouloute, ils estiment que tout le monde qui retrouve dans une situation comme ça, c'est... Non mais attention, mais c'est attention, c'est parce que tu vas voir quand c'était comme là, oui, peut-être que nous faisons remarque là. Regardez, mais un million de gouttes, peut-être c'est que quoi? Disparité à tout. Non, mais c'est pas une question de disparité. Un million de gouttes. Parce que puis font mounio pas de moyens. Eh ben justement. Puis font mounio pas de moyens. Eh ben le fait que les gens n'ont pas de moyens, mais qu'ils ont pas le fait, c'est-à-dire pour les atteindre. Les candidats mettent l'argent dans le budget pour créer un programme social gouvernement, il va atterrir dans toute communauté. C'est une forme de programme social aussi. Mais ce sénateur l'argent. Non, l'argent sénateur. Ça va compter en 2010. Non, l'argent sénateur, c'est un peu ingénieux. Que normalement, sénateur, lui aussi. Parce que la société fonctionne comment? Il ne pas fonctionner d'une manière linéaire. Ça veut dire que le sénateur ou le député, le ministre, le directeur départemental, etc., en bas qu'on est arrivé là. Maintenant, si le pays a un programme social, il y a le ministère des Affaires sociales, certes, il y a l'autre institution, mais quand même, il y a quand même quelqu'un qui est un élu à un niveau extrêmement élevé dans le département, eh bien, qui reçoit un salaire normal comme tous les fonctionnaires de l'État, mais par contre, la fonction doit être respectée et que si on accorde une subvention à ce sénateur, si qu'on y a confisqué le poulet, ça devient dangereux. Et si confisqué par un cas privé, tout pas dans un cas privé, parce que tout simplement que si par exemple y a pas mandé le monde qui balille là, pas mandé le rapport. Mais généralement, je sais que généralement il y a toujours demande de rapport, bah, j'aime qu'on y a, si ça se passe de cette manière-là, mais de mon temps, c'était comme ça. Mais dans une science, Gabi Moun qui quoi, sous soif, après audition CSPN, dans le Sénat République-là. Pardon? Sous soif, par rapport à ça, on t'abtonne. Est-ce que c'est, oui, bon, ça veut dire que, je crois que les sénateurs se sont rendus compte à un certain moment donné, qu'il ne fallait pas continuer à glisser sur cette pente-là. Parce que, il devient dangereux, parce que pas de réponse cap, bah, est vrai. Imaginez, par exemple, yo, un seul sénateur posé directeur général de la police là, 5, 6, 7 questions. Monsieur Papi, j'aime qu'à répondre. Donc, monsieur, là, comment c'est répondre, yo, l'oublié, reste là, etc. Il n'y aura jamais de réponse. Mais par contre, si par exemple, il y avait un huis clos, sous des choses extrêmement précises, des points importants, et puis, on t'a discuté sur eux, puis on t'a décidé, voilà ce qui va. À ce moment-là, il y aurait un point de presse après, pour dire que voilà ce qui est sorti, voilà ce qui a été dit. Mais là, par exemple, on a fait type de bail, ça. Moi, je le showbiz. Ce n'a pas sorti renforcé après ça? Pas du tout. Pas du tout. Parce que, en fait, on dit là, on dit que la population a toujours été sous soif.
pour renforcer, c'est que il faut que on rend compte que effectivement des matchs là il aboutit à quelque chose. C'est vrai que aujourd'hui on peut dire qu'il y a un effort de la part de la police pour que normalement ils fait une sorte de chasse des bandits qui commencent à prendre les territoires presque non mais yo, ça m'a dit que ils ne sont plus là, non, ils sont encore là. Mais il y a un effort, il y a quelques-uns qui ont été arrêtés, etc. Mais ça nécessite encore plus, parce que vraiment, situation nationale là, t'es venu infecter avec ces gens de crapules qui partout commettent des actes ignobles. Même parce que c'était le devoir de la police pour le faire. Seul bagage Mdaka dit peut-être le bon côté de cette affaire, c'est peut-être que est-ce que les DG a été venu avec chien, c'était pour le faire, monsieur, vous connaissez que, voilà, nous avons des chiens que nous mettez qui cassent un centre bandit, quelque chose à côté, vous voyez, chercher, c'était la preuve. Bah, on est, mais ça me l'a dit, je dis, hein, me l'a dit que, il faut que les politiciens de ce pays, les responsables de l'État, acceptent l'idée que, je dis, hein, nous devons renforcer nos institutions. Parce que si nous ne renforçons pas les institutions, eh bien, c'est des bandades qui vont gagner, puis il n'y a pas parlé qu'un côté. Même pas dans ce sens-là, il faut que nous ne pas jouer avec la question. Parfait. Là maintenant, toujours dans la séance, il y a un sénateur, le président du Sénat, il était posé une question pendant le questionnement, il était fait allusion à un député. Député, troisième circonscription, hein, et après séance, il y a des députés de l'opposition. Il m'a dit au créneau, tu m'as dit pour président Lambert, fais des excuses par rapport à ça, il t'a dit dans le quartier ça. D'ailleurs, CSP n'a pas ni confirmé ni infirmé. Qui j'en, qui sont quoi que t'as bien fait dans un cas pareil? Président Lambert a devant CSP. Ou bien, Jean le fait là, Kembe ça le dit. Bon, moi, m'abdou, bagay, et là, m'dou que moi, Jean le fait là, parce que, admettons que t'as gagné des preuves, que ce député en question t'a impliqué dans sa rédia. Moi, je pense que la police a pour devoir les toutes preuves ça réunies, eh bien, ce n'est plus un député. Si vraiment on t'a joué des actions comme ça, c'est pas un député. Donc, ça veut dire que ces députés passent d'un stade de député à un stade de malandrin. L'État va mettre maintenant pas de casse à vie. Mais, Jean-Sénateur Lambert fait, Sénateur Lambert dit que son député, lui, même si t'es non député, etc., et puis, non séance publique, ou pas t'en à quoi? Qui ça va le dou? Est-ce que chef police a va le dou? Bon, parce que, en fait, député a couvert ses constitutions, même qui couvrit le baron série de bagages. Donc, premièrement, bon, toute une série de démarches qui vous a fait pour lever et humilité lui, et puis les finir pour que normalement, yo poursuive lui, etc. Mais au lieu que, information, ça, disponible, eh bien, on mettait à la disposition à la fois de la police et de la justice, mais on n'a pas besoin. Pousser bagaille au pilori pour craser l'institution. Parce que l'offel, c'est des coups. Excusez, vous pensez que c'est individu à attaquer, mais c'est l'institution. C'est le Parlement. Le président a dit qu'il fallait protéger le Parlement. S'il y a information comme quoi, effectivement, t'as qu'on va protéger bandit dans le cas ça. Eh bien, dans le cas ça, vous faites pas, en tant que haut dignitaire de l'État, vous faites pas en instance. Et dans la police là, pour qu'on ouvre une enquête. Yo vont enquête, yo joignent bagay yo, laisse ça. Il y a un juge qui est mis sur le dossier, et le juge peut écrire au président du Parlement, ou bien de qui chambre lié à, pour demander à ce que cette personne soit mise à la disposition de la justice. L'obligé fait. Alors, dans le cas ça, mais sans qu'on n'ait pas besoin,
fragiliser l'institution. Parce que depuis le bal à fin de parler, ou depuis l'opposition, il y a pu venir avec des éléments oui, pour bon, attaquer les sénateurs. C'est les mêmes gens, ça veut dire que réagit. Non. Alors, mais ça crivé. C'est les mêmes gens, Abdoula. Par exemple, même vous même qui a parlé, il y a m'attendu des députés qui a répondu. Mais c'est même bal à fait, ça veut dire que détruit, lancer des flèches sous sénateur, à boulettes même. Et puis, mais vous pensez que c'est Lambert qui a attaqué, mais c'est l'institution. Alors, dans ce sens, je dis que nous-mêmes, bon, nous, que, son bagage, d'accord, dit, situation, pays à justice, et bien, fonctionné avec un secteur, c'est blessé théorique. Il n'est pas poste, pas même qu'on est. Le potent poste là, comment vous le gérez, etc. Et puis, il a gagné pour t'aider. Même moi, c'est très grave. Et c'est, même généralement, quand je me retrouve dans ce genre de situation, je préfère un appel à la raison. Parce que, demander à Lambert de venir faire des excuses, ou bien demander à, si effectivement tu as gagné méchanceté, que ce soit de la part de Lambert, c'est président Lambert ou bien député ceci ou X, à ce moment-là, là encore, le dialogue existe. Tortellus fam. Ces gens peuvent se rencontrer. Au lieu, par exemple, d'y aller enfoncer davantage l'institution, pourquoi ne pas régler cette affaire en dehors de l'écran, comme généralement, c'est tout ce qu'on fait ici. Mais je dois vous dire une chose, j'ai remarqué depuis 1986, et jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, c'est que pays à tout bagaille pays à c'est dans la rue la régler. Par exemple, il y a rien qui fait, et je lance cet appel aux autorités de l'État, les responsables de l'État, pour comprendre que cette comédie a trop duré. Faut que bagaille change, faut que bagaille pour l'autre tour. Donc, député même qui m'a dit, on me menaçait pour boycotter séance, deuxième lundi janvier, il n'y a pas paré pour t'acquitter, ce président Lambert, mener séance à l'Assemblée nationale là. Mais ça fait député à côté parce que, normalement. On s'en dit, sénateur. Hein? On s'en dit, lui. Oui, c'est ça fait le coup, mais député a dit que le papi. Pas du papi, non, la boycotter a dit que la poufaille, je me sais ça m'a fait. Non, ma belle, c'est bon, ma gueule. C'est quoi la séance? D'ailleurs, son séance qu'a fait tout. La plus bon pour députer à député à la d'aller normalement j'ai allé dans l'élection parce que faut nous suspendre un petit peu ça. Et même gens par exemple le matin pour un rien on donne des glaces bon n'a bloqué la rien n'a bloqué des n'a bloqué des même parce que normalement c'est la démocratie a des limites, la démocratie l'immobilisation contrôle sera constamment ou appeler emmerder les autres. Toi, tu as l'air de faire. Wow, c'est une soif emmerder les autres. Même pas ce que je dis à ce député ou bien ces députés en question, qui nous va le faire toute l'Assemblée nationale, qui nous va faire des bagailles, etc., qui l'embête, ou qui nous va le faire, c'est quand même associé, d'accord, va dire, l'État, à vie personnelle. C'est même gens, par exemple, d'apprendre le cas, je dis à, je prends par exemple les avocats, soi-disant du barreau de Port-au-Prince, qui décidaient à faire grève parce que des avocats estimaient que ils étaient touchés dans leur dignité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ou touchés dans la dignité? C'est normal. Vous êtes un professionnel. Professionnel, là, par exemple, il y a ce qu'on appelle les risques du métier. Vous comprenez? Ça veut dire que, mais c'est pas parce que toi t'es touché et puis vous pouvez décider au matin et toute une population va souffrir à cause de dignité qui touché. Mais c'est quoi la dignité? La dignité c'est la défense de la dignité. Faut défendre tes tout. Bien sûr, si par exemple vous estimez qu'on va qui passe, ou à porter plainte. Mais vous ne pouvez pas et prendre toute une population et vous dire bon parce que mais j'ai dit pour moi. Ça devient trop. Maintenant, comme vous êtes président du Sénat, dans la situation par exemple, après. Écoutez, dans la situation par exemple, qu'est-ce que je fais? Je tape
pendant que moi-même, mon fonctionnement comme c'est l'ado, le respect des institutions, toujours voulez vous bagailler au marché normal, mais en même temps tout, je suis quelqu'un de très conciliant. Ça veut dire que le président Lambert n'a pas besoin d'aller et trouver le député. Tous les décès deux hommes d'État, ça veut dire que y a une façon de vous la résoudre. Moi, je crois que des échéances, tant que par exemple l'Assemblée nationale du deuxième lundi de janvier, n'est pas négociable. Donc, c'est to be or not to be. C'est ou bien député ou bien pas député. C'est ou bien sénateur ou bien pas sénateur. Votre place est là. Faut aller. Et ou pas gain droit, par exemple, dit que ou pas manifester si l'autre là va venir descendre dans l'orgueil, pour le venir dire que, mon cher, m'en dire pardon pour ça me dire. Mais écoutez, moi je trouve que c'est passé mon entente. Dans les stations, on avait dit, le Sénat siège en permanence, c'est député, vous n'avez six séances pas faites qui dehors. Bon, moi je pense que le Sénat, il y aura quand même la séance, parce que de toute façon, c'est pas tous les députés qui ont position ça. Mm-hmm. On a un droit position de famille ou de groupe ou, et puis on décide que ou pas vini, mais c'est pas veut dire que tous les autres députés vont chiter à la caillou. Mais en même temps, il y a une chose aussi peut-être qu'il faut retenir dans tout ça. C'est que je dis à la pas besoin qu'on ait si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Si député a été impliqué ou bien pas impliqué. C'est pas ça qui est important. Mais je dis à moi, c'est que situation ça, l'État permet à tout nègre qui sénateur, député ou bien gauche chef dans le pays, pour comprendre que je dis à gagne des bagages ou pas qu'à faire. Gagne des bagages ou pas qu'à faire parce que y'a un abus de pouvoir au détriment de population. Excusez-moi, songe que t'es confect t'es passé t'es dans le Sénat à l'époque là. Bon, t'es protesté contre ça, mais on est que le ou en minorité, minorité a eh ben obligé de souffrir. C'est un jour et son bagage qui commençait depuis le commencé à depuis mon noué au fel, eh bien, il a continué fel. C'est quand il y avait, le maître André Michel, il était, il un problème, bah, ça, sur une question de, qui peut passer Matisse. Il a arrêté Matisse. Voilà. Quand il y a là, il a mené monsieur, tribunal. Là, monsieur arrivé au tribunal là, monsieur relé des sénateurs, et puis il dit que il tendait non couloir que commissaire il est pas le faire. À ce moment-là, près de 3 ou 4 et 5 sénateurs, ça les gars groupe 6 là. Et voilà, ils ont débarqué dans paquet là et puis au grand monsieur. Et puis ils viennent dans et sénat avec comme étant une victoire. Mais nèg là pas rien ni compte. Que c'est l'État même l'a effondré. Que l'a crasé l'État, elle le fait ça. Tortellus family. Et au vini, au riz, au cotan, au prend. Mais ça sert à quoi? Et, mais côté de tomber, je dis, parce que, l'on commence à faire des actions illégales pour satisfaire propre instinct personnel, ou. Et l'État a crasé. Et des cas du tout, mais l'État a dit ça, c'est illégal, tout. Et des cas du ça, tout. Qui fait qu'il a fait ça? Non. Que arrestation illégale, gien l'autre façon, pour faire, mais ou même, ou pas gien droit, pénétrer dans l'enceinte. Et justice là, pour le faire, à d'autorité. Parce qu'on connaît, on va pas faire rien, et pour le faire, il y a des abus. Par contre, ça me dit là. Et je dis à la, par exemple, ces mêmes gens, là, donc, ce député, l'État, effectivement, prend nègre, mettez dans machine, il sauve avec, et soi-disant, ses partisans. Parce que, vieux leçon, ça, nous, toujours, bah, ou bien, par exemple, vous t'apprends, je dis à la, nègre, la volé, y'a qu'un mille dans drogue, y'a brûlé en moué, y'a fait mille.
même je viens deux trois grands nègres vini, yo fait ouvrir porte, voyez l'aller. Yo prend nèg là avec zam nan men nan mitan la rue. Nan de bien et ses famille et sénateur Richer, ses famille tel, yo la gueule, ça veut dire que pays a pas qu'à fonctionner comme ça. Et c'est dans le contexte où ça, on a parlé de dialogue. D'ailleurs, le président, dans le dernier message, il a demandé pour une mission pour rencontrer tout le secteur. Suite à l'arrivée de mon connecté passé, 6-7 juillet, le 17 octobre, nous faisons que ce soit le 18 novembre là. Dialogue l'a lancé, pour le ministre a même parlé d'un document qui a même élaboré pour arriver à un pacte de gouvernabilité. Le support sur dialogue, ça. Dialogue, ça a de fait entre qui est et qui est pour le capoter les résultats que le pays attend. Bon, premièrement, c'est. Pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait quand même des gens qui acceptent de dialoguer. Moi, je crois que le travail du pouvoir, c'est de d'essayer de toucher le plus de gens possible qui veulent participer. Mais maintenant, c'est pas tout le monde, parce que j'ai entendu le sénateur Moïse, par exemple, qui dit que lui-même n'est pas dans le bail comme ça. Et il va chuter avec moun. Bon, même si lui-même il chuter avec étrangers, mais il va chuter avec nationaux. Pour lui résoudre le problème, là. Vous confirmez ça? Mais c'est ce qu'il a dit à la radio, je l'ai entendu hier. Il a dit que lui-même, il pas, non, bah, comme ça. Non, si vous dites, je suis étranger, il dit ça tout. Oui, il l'a dit aussi. Okay. Il a dit qu'il était avec, il était rencontré ambassadeur, ceci, ambassadeur, cela. Mm-hmm. Bon, il dit, lorsqu'on est leader politique, bon moment arrivé, quand même, c'est la nation qui doit être primée. C'est question nation, les... parce que de toute façon, pas que j'aime qu'on est dans le monde là, qu'on guerre qui fait, et que guerre là, c'est pas une négociation que le film. Ça veut dire, si au moins les gens intelligents, ils n'ont pas même besoin d'entrer dans la guerre là, ils ont négocié et conflit avant, et puis ils ont résolu le problème. Mais ils préfèrent aller dans la guerre, et puis ils finissent ça, Al-Chita, pour finir la guerre. Donc, maintenant que, ils tuent un peu le monde, ils brisent un paquet de bonnes bagailles, etc. Moi, ce que je veux dire aujourd'hui, je crois que c'est une initiative noble. Premièrement, pour deux raisons. Premièrement, le fait que quelqu'un comme Seyan, qui est le premier ministre maintenant, c'est quelqu'un qui était candidat à la présidence, que lui aussi, il avait des propositions pour la nation, il était dit, si lui est président, mais ça doit le faire. Monsieur Jovenel Moïse, t'es candidat tout, il avait fait des propositions, mais ça le va le faire, mais ça le... Voilà que Moïse passait, et c'est un pas passé, et voilà que le cafou de l'histoire fait que il vient croiser Jodia. Et je trouvais que c'est très bien le fait que le président Jovenel a accordé plein pouvoir à Monsieur Seyan, dit bon, prouve-moi ce que, premièrement, ton engagement envers le peuple, ton engagement envers la nation, et puis, trouver une capacité de négociation. C'est ce que Seyan essaye de faire. Je ne sais pas encore qui il a rencontré, avec qui est-ce qu'il travaille déjà, je ne sais pas. Mais je crois que le mandat lui a été donné, et c'est une très bonne chose. Parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, pays arrivé dans un moment côté que, l'arrivé dans un samedi avec une sorte de seuil, elle dit, il ne fait pas qu'il n'y a pas qu'à passer qu'il n'y a encore pour l'aller. Donc, ça m'a dit, je veux dire, on veut qu'il t'attendait pour l'autre orientation que nous baille pays. Ça peut, bien sûr, se faire pendant que le président Jovenel est président. Il a tenté, par exemple, avec ses affaires d'État généraux. Mm-hmm. Bon, malheureusement, qui est en train d'être boycotté. Bon, maintenant, les gens parlent de conférence nationale. Mm-hmm. C'est pas dans la bouche de deux, trois grands mounes pour le sortir. Il faudrait que ce soit à travers un dialogue national et que si effectivement on doit prendre cette orientation-là, on a pris l'île. Maintenant, qui est-ce qui voit carré sous table? Parce que il y a monde qui estime que là, si on a fait dialogue par rapport à la réalité ailleurs, il faut que c'est monde qui veut être dans la rue, le monde qui a manifesté, le monde qui est dans l'opposition et qui assume ça, qui est sous table là. Bon, et j'ai entendu André Michel tout hier, côté que Monsieur dit que eux aussi, soi-disant, du secteur, entre guillemets, démocratique, ils sont prêts pour participer dans le dialogue-là, mais moyennant que faut que tout sujet tabou, faut pas un sujet tabou, etc. Mm-hmm. Donc, même parce que c'est le travail du gouvernement
Actuellement, là, j'ai entendu qu'il y a d'autres émissaires que vous choisissez, qui a mené enquête là, par exemple. Supposons que vous connaissez moi-même qu'à parler avec tel groupe. Vous, premier ministre, vous avez dit, mon cher, al parler à groupe ça, pour essayer de mener sous table là. Ou même, vous n'avez qu'à parler avec tel groupe, Lido. Mais c'est pas une question de, empoisonner travail l'autre. C'est tout simplement que, j'ai entendu Gabriel qui parlait, dit que ballon mission, tu peux être toujours être chargé de mission dans tel ou tel bagage à faire. Moi, je crois que ce qui est important, que ce soit les gens qui sont qui se proclament protagonistes du secteur populaire kabgoumen dans l'arrière. Bon, quand tu dis tout le monde qui est dans l'arrière. C'est quand même des centaines de milliers, donc vous ne pouvez pas faire des négociations avec des gens, il faut qu'il y ait des représentants. Maintenant, ces gens-là, s'ils négocient une sortie de crise favorable pour le pays, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que même le président de la République, je dois comprendre qu'il doit être conscient que la situation est un petit peu malouque et difficile. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de sacrifice d'accap dit piti quand il s'agit de défendre les intérêts de la nation. Les intérêts et vitaux de la nation. Mais Nakouni, à qui ça glisse sous table là? Bon, il y a plusieurs bagailles pour moi-même. D'abord, c'est pas seulement l'aspect politique de la question. S'il y a tout l'aspect social, je dis à là, il y a la question de l'éducation qui sont son problème. Ça veut dire, si n'a pas négocié, je dis à, c'est pas négocié. Nous partage de responsabilités et de pouvoir, mais justement négocier pour qu'il y ait justement ce pacte pour nous dire voilà la direction que nous allons prendre et dans les 5, 6 ou bien 10 prochaines années, voilà ce que nous allons faire ensemble. Même quoi que c'est toute question ça qui vous bagaille. Par exemple, je dis à l'embrun une situation qui vient là, qui a pris dans le pays. C'est vrai, le gouvernement ici répond par une question de apaisement, etc. Mais l'offre bagaille en courant, yo manqué comme si m'dado un support scientifique qui permet que yo pote fruit yo dégoder. Quoi que dans ce ça dans ce stade ça faut que nous chita, exemple son aspect social extrêmement grave je dis. Pas seulement fait l'assainissement dans l'arrière, mais c'est aussi entrer profondément sous question écologie, c'est-à-dire la question de l'environnement, qui sont un dilemme pour le pays, je veux dire. C'est la question agricole, le développement de ce pays passe nécessairement par le développement de l'agriculture. Donc, toute bagaille, ça, parce que faut que nous fassions d'une pierre deux coups, nous résoudre le problème, ça, et quoi, nous croyons que, dans le discours, ça, qu'a fait là, je veux dire, si dialogue, il doit y en avoir, il faut en tenir compte. Mais il y a des groupes qui même qui radicalisent les positions, qui croient que pas de possibilité de chita avec l'équipe qu'il a, c'est des missions plus simples et exigées. Oui, mais par exemple, où est-ce qu'on doit demander de sauver la bouche? Ça, c'est quand même une pratique qu'on a eue. Ça fait près de Mabissouko Magaï. Nous sommes devenus des professionnels de cette affaire. Depuis 86, chaque gouvernement qui monte nous demande pour l'aller. Donc ça veut dire que et bagaille ou pas jamais réalisé ou bien par exemple ou pral wè que gouvernement ou passé plus de temps à gérer manifestation dans la rue etc au lieu de faire quelque chose de concret pour la population. Maintenant si aujourd'hui il y a cette tentative de dialogue et que les gens ne veulent pas saisir parce que tout simplement de dire que faut l'aller pour être remplacé par qui par quel projet. C'est-à-dire que, n'a pas fini de l'aller, et puis, n'a réfléchi sur le projet, mais alors, à ce moment-là, pendant ce temps, si nous avons cette situation économique qui gagne dans le pays, je veux dire là, mais le temps maintenant de négocier cette affaire, le peuple a besoin de manger watch. Alors, à ce moment-là, moi, j'ai dit aujourd'hui que tout le monde a intérêt de participer à ce dialogue. Maintenant, pas d'accord. Mais c'est parce qu'il va tuer la République. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est que tous ceux qui estiment que les moments arrivés pour que nous accompagnions la population dans son ensemble vers la
ou politique menant à la satisfaction de ses besoins fondamentaux, je pense que je dis à l'intérêt intérêt de participer dans ce vaste mouvement de dialogue prôné par le pouvoir et certains secteurs de l'opposition et de la société civile. Il y a plus de monde qui craint, le sénateur Richer, qui c'est d'ailleurs ça a souhaité que le dialogue-là il ait porté résultat pour ne pas avoir vivre. Ça ne dévie peut-être le 6-7 juillet, 17 octobre, 18 novembre. Qui signale quoi exécutif là, t'as le bail pour que vraiment, et ensemble de groupes dans le pays, plus ou moins sentir confortable pour que moi de réalité ça ne pas avoir vivre encore l'année prochaine, par exemple. Bon, ma belle sur ma gueule, moi, je ne pas penser que pas du 6-7 juillet, bon. Bon, regardez quand tu es là, on se descend là, on pourrait. De l'imat là, là, elle fait main. Hein, tout près là, en face toi là, elle fait main. Ça le permet. Ça permet que un bon monde, qui te qu'on fait t'y dégager ou là, je dis à eux au chômage, de s'ouvrir n'importe l'autre côté encore pour voir combien bail qui détruit. Bon, moi, je pense que c'est pour ça que je bail mon tête pour réfléchir. Et c'est bon, c'est de bail, l'offre fait, yo. Yo abouti à qui ça? Parce que, si vous voulez voler quelque chose qui pas appartient à vous-même, ou que tout le monde vous vole, lol. Soit fait guet-apens, ou fait vol à mi-armé, ou bien, ou profiter du mouvement de la foule et pour piller sa papou, etc. Mais est-ce que nous devons, en tant que peuple, pousser les gens vers cette orientation-là, même pas quoi? Moi, je pense que nous devons apprendre à respecter ça qui appartient à nous-mêmes, ça qui appartient à lui-même, ça qui appartient à moi-même. Nous respecter. Tortellus family. Nous n'avons pas besoin constamment à n'importe qui petit crack, s'écraser, se briser, puis prendre ça pas pour, etc. Je pense que c'est pas bon. Mais maintenant, où dit pour ça pas recommencer? Tant que vous aurez, par exemple, une population aussi, gens liés qu'on y a là, dans ce sens que, bon, sont quand même, l'on prend une ville dans Port-au-Prince, généralement, les méfaits se passent surtout à Port-au-Prince, mais l'on prend une ville dans Port-au-Prince. Ça veut dire que, on a près de 66% de monde là-dedans, qui au chômage, qui va faire, qui va travailler, excusez-moi, qui pas une ressource, qui pas rien dans mes eaux. Bon, généralement, moun sa levé le matin, c'est de l'eau la batte pour le faire bain, et les gonti occasions, qui présentaient, par exemple, pour lui, faire pillage, faire des autres, ça, l'entre là-dedans, mais c'est pas la totalité des gens, mais quand même, population, ça, qui est au chômage, là, les gonti partis là-dedans sont loupen liés. Loupen, non, ça veut dire, il va bah, moun réglant rien pour lui. Donc, il est prêt à craser, à briser, ça, lui, on en papier. Et moi quoi que je dis hein. Et mais ce qui est embêtant dans tout ça, c'est que nèg sa yo, yo réclamé yo d'un certain appartenance politique. Alors, maintenant, je crois que c'est le devoir de ces responsables politiques pour faire appel à ces gens-là pour que ils apprennent quand même à respecter la vie et bien des autres, mais aussi à respecter l'État. Parce que l'État n'a pas capable de fonctionner, n'est pas capable d'améliorer les conditions de vie, ou si que normal, n'est pas fonctionner normalement. Pouvoir pas responsabilité partout, non, pas ça? Il y a un signal pour vous et tout? Bon, écoutez. Alors, vous parlez de chômage. Vous avez question de création de job, par exemple. Ben oui, mais pendant que, par exemple, regardez ce qui s'est passé, M. Sodou, qui a eu, qui a plus de 66% de gens qui ne travaillent pas, qui sont au chômage dans ce pays. Pendant ce temps, les événements, par exemple, qui se sont passés dernièrement, lui pour l'autre groupe encore, le mettait au chômage. Je dis à ne travaille pas. Mais en même temps, quel est le devoir de l'État? C'est pour ça que j'ai parlé, par exemple, dans le cadre même de cette négociation, il faut penser au développement agricole, qui sont des outils extrêmement importants, qui peuvent créer des emplois. Je prends le cas, par exemple, du combat écologique. Par exemple, je dis à soit mener un combat pour résoudre les questions environnement dans le pays. Ça peut créer des emplois, des multiples emplois. Bon, paquet de bail qui cap créer emploi, il faut que le gouvernement, et même à travers, par exemple, ce programme d'assainissement que le gouvernement a parlé, je veux dire, ça peut créer des centaines d'emplois.
C'est pour ça que j'ai dit que c'est très important que tous les acteurs, le gouvernement, les acteurs politiques, ils mettent ensemble pour voir comment trouver la solution qui est plus valable pour la société à sortir dans sa lien. Bon point, on va aborder. Et après, on croit que pas ta deux pas sous table là, c'est dossier Petro-Caribéa. C'est pas que m'a abordé, nous pouvons arriver sous lui. C'est-à-dire que, mais pour moi, question, l'on pose une question mal, il est très difficile pour une réponse pour lui. La question de Petro-Caribé, pour moi, le par exemple, ou dit côté Cobla. Bon. C'est une question. Mais toute question m'a une réponse. Maintenant, qui est-ce qui pour bailler? Premièrement, c'est les gens qui te dépensent Cobla. Qui pour d'où, mais côté le passé. Mais si vous dites au préalable que c'est monsieur, Marie monsieur, c'est monsieur, Marie monsieur, et puis après on a fait procès. Ça, c'est de l'anarchie. Moi, je crois que, qu'il faut effectivement, si dilapidation il y a eu, il faut qu'il y ait un procès qui dise, qui arrive à identifier, par exemple, le monde qui pillait et l'argent, ou bien qui prend l'argent, etc., qui dépensait le mal, etc. Mm-hmm. Mais il faut que cela se fasse dans l'ordre et la discipline. L'ordre dit, par exemple, jugement pas qu'à faire avec monsieur, mais à qui est-ce qu'il va le faire? Avant, parce que vous-même, qui qualité morale pour gagner? Quel est votre niveau de corruption dans le pays? Mais question sur question, il faut responsabiliser la justice, faire la justice, occuper de questions, hein, et puis vous-même, jusqu'à ce que nous joignent le résultat pour nous joindre. Bon, de toute manière, si monsieur et dame Petro Challenge, je dis au papé, je vais baisser les bras. Il y a plein de rapports au cours des comptes en deuxième semaine de janvier. Pour être capable de garder dans quel niveau balayer, mais entre temps, il faut que vous continuez à mobiliser, pour forcer l'autorité. La réponse à quoi c'est que c'est très important pour que normalement, il n'y ait pas démobilisé. Mais en même temps, c'est que, comme il doit y avoir un rapport, ce rapport va sortir. Et ben, c'est là très bon pour tout le monde. Comme ça, on saura. Qui sont les coupables, si effectivement coupables. Parce que dépenser de l'argent, pas vous dire forcément pillage. Parce que, imaginez, par exemple, moi j'étais au Parlement, un film qui était venu pour faire le Parlement, on avait avancé à partir d'une étude que je crois été faite sur le Parlement, et puis on t'a dit que vous allez faire un bagage de combien d'étages, et puis avec, pas qu'un jour. Mais, les films n'ont vini. L'Iran compte que, après trois coups de piquoi, son nablo en bas. Donc, il dit, faut que l'étude là, refaite. Pour gens que ont été dit, eh ben, là, ils peuvent aller essayer, ouais. Il peut toujours y avoir des packings, soit en haut, ou bien, bah, qu'on est, ils peuvent faire l'autre étude. Mais, OK, yo dit que yo te baillon un certain argent déjà. Maintenant, si yo te baillon et que yo dit a fait étude là. Non, c'est moun qui responsable là qui pour dit que qui l'a a commencé travail là. Ou te gagne le monde déjà, ça veut dire que tu as là avant commencé. Li pourquoi j'aime commencer. Donc maintenant, moi, je songeais, j'étais en bas dans le Sénat, et le président Dira à l'époque m'avait invité de l'accompagner pour pour pose première pierre, et ça, on allait. Mais jusqu'à présent, pas même rien fait. Maintenant, film ça. Je pense que si c'est pas ton film bidon, il est là. Donc, s'il te gon l'argent en main, yo cap toujours convoquer l'élément ça pour dire que tu avais reçu combien d'argent? Qu'est-ce que tu as fait avec, etc. Maintenant, si effectivement, moun nan li prouve que il est disposé à poursuivre le boulot, simplement faut que propriétaire la mette en condition pour le faire, on peut comprendre. Mais sinon, s'il mange l'argent à ce moment-là tout, on va dire, mon cher, écoutez, vous avez tant de jours pour rembourser comme là. Et c'est sa motivation, si monsieur Dame Petro Challenge, c'est à ce que l'ensemble de projets. Pour ça que l'autre projet comme ça tout, ça me gagne comme tout à même bail, et puis projet à camper, et pas une explication qui baille. Eh bien, c'est ça, Mdoula, c'est-à-dire qu'il faut arriver à ça, et me penser que c'est, la démarche, elle est correcte, mais ça qui vient le problème, non, c'est que,
des gens aussi corrompus rentrer dans magala pour y faire et manipulation et puis créer des ordres et sans que effectivement parce que imaginons pas des gens qu'on peut faire par exemple non imaginons par exemple et c'est quand même 1,8 milliard de dollars ou bien 2 milliards de dollars c'est beaucoup d'argent c'est tout mon pays dans quoi ici oui mais c'est pas dans la rue au quoi j'ai un résultat voulu non soit monter descendre dans la rue alors pas bien un résultat pas bien on écoute l'argent passé. Parce que même le gouvernement haïtien, regardez le budget qu'on y a, ouais. C'est un budget qui ne dépasse pas 2 milliards de dollars. Donc ça veut dire que si vous prenez 2 milliards de dollars pour laguer les et vous réclamez justice, qu'est-ce qui va le bon justice pour 2 milliards de dollars? Ça m'a demandé des études, ça m'a demandé tout. Donc, du coup, si peut-être pas de mobilisation, bah, là, pas faire tout le bruit, la fait, je vous dis à tout. Non, mais elle fait bruit, je suis d'accord avec bruit, pas bruit à fête. Mais il y a mobilisation bruit à fait et puis faut que il y ait éclaircissement qui baille mais faut pas maintenant tête tout que c'est demain matin le rapport de la Cour supérieure des comptes pour simplement rapport pour dire que toi tu étais ministre tu es bon tant l'argent pour te faire tel bagaille monsieur était ministre tu es bal tant l'argent pour te faire tel bagaille mais rapport le fait est-ce que rapport était bon est-ce que rapport pas de bon là encore pour moi même à ce moment-là c'est toute institution que vous mettez en cause. Parce que, pour que normalement, chaque année, gagne un budget qui dépose, par exemple, tant que hier, là, vous déposez un budget. Mais, bon, loi de règlement. Loi de règlement, ça le dit. Il dit que le ministre qui te recevait toute l'agence, là, eh bien, il était bien géré l'agent. Donc, par contre, j'aurais confusion, hein. Ça veut dire que moi, je pense que faut que nous jouions nos solutions pour que nous résoudre le problème, ça, là. Pour ne pas continuer à conduire le peuple en erreur comme ça. Justement. Moi, je suis pour qu'il y ait des éclaircissements qui baillent sur question ça. Comment l'agence a dépensé? Qu'est-ce qu'on a pu faire avec? Qui est lié? Est-ce qu'il y a un magot caché quelque part? Eh bien, il faut qu'on le trouve. Mais il faut que ça, cela se fasse avec, dans le respect de la justice. Est-ce que même toi, demandé côté Pétro-Caribéen? Pardon? Ou même toi, demandé côté Pétro-Caribéen? Oui, m'a demandé le même, pas demandé le même slogan, j'aime moi la fête dans l'arrière, parce que, pour moi-même, si vraiment m'a cherché un bagaille, mon technique pour me chercher le bon jeune. Ah bon? Y'a. M'a pas le chercher le compte si m'a d'où dans la rue, j'aime moi, n'est-ce qu'il a fait là, parce que, de toute façon, il va monter descendre dans l'arrière, il va chercher. Il va bien me donner. Donc, mais par contre, si la chose se fait, avec un caractère scientifique, ou ap fini par venir. Bon, même si j'ai un peu de temps, j'en à cause que politique t'a récupéré, bon. Excusez-moi, je suis un peu grippé, mais, vous trouvez que, récupération, dit très maladroite, c'est-à-dire que, le, par exemple, ouais, des hommes campés dans la radio, ouais, bon, écoutez. Nous avons eu quand même pas mal de gouvernements, que ce soit le gouvernement de René Préval, Matéli, et Privet. Bon, on nous pose des questions. Hein. Ces messieurs-là sont encore en vie. Malheureusement, Préval est parti. Mais ces messieurs-là sont encore en vie. Préval a eu des ministres. Il était un ministre des Finances, il était un ministre de l'EMPAD. Bah ouais, pour qui ça, nous sommes obligés de faire un scandale autour de quelque chose qui a été révélé, et puis on met la justice en branle pour qu'on trouve des solutions. C'est là, je me décontente parce que tu es avec moi, hein. Merci un peu, parce que tu es disponible. Bon, forme donc, mon bon petit temps, tout à coup, je dit au début, à que je me passe dans la caille là, donc je suis bien content d'être côté invité. Et puis, on nous souhaite effectivement que le procès Pétro-Caribéen arrive fait. Même on a bien aimé que le fait, parce que j'ai vu que le président a donné des instructions presque formelles au premier ministre pour que lui accélère ça, mais quand même, pour moi, faut me balayer les têtes, moi tout, c'est pas un procès qui va avoir lieu demain matin. Parce que il faut compiler tous des documents, etc. C'est le cas initial, là. Ouais, ça peut être initié, mais on va pas dire que ça va se faire demain matin. Et deuxièmement, c'est le dialogue qui vient d'être lancé, mais tout la beauté et un fruit pour que normalement nous ayons amélioré les conditions de vie pour la famille. Voilà. Merci à Bill Sénateur Richer parce que tu es avec nous. Merci à tout le monde qui t'a suivi nous.
Souhaitez en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.